Ils sont bel et bien vivants et en bonne santé. Ces jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, qui sèment la terreur et la désolation à Kinshasa, sont en pleine formation pour la reconversion de leur mentalité et devenir ainsi des bâtisseurs au sein du service national. Mon général, tu peux étudier. Mon général, je suis négocier. Un mois et demi après leur transfèrement au centre pilote de Kanyamakasese, dans la province du Haut-Lomami, le commandant du service national, le général de brigade Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, s'est rendu pour la énième fois sur le terrain pour s'assurer de la meilleure prise en charge de ces jeunes délinquants avec deux repas costauds par jour. Rien à envier à leur ancienne vie. La discipline étant la mère des armées, le général de brigade Jean-Pierre Kasongo a, au cours d'une causerie morale, invité ces hommes et ces femmes à se mettre au pas et de renchérir, les commandants suprêmes des forces armées, de la police et du service national, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à la réinsertion sociale de cette frange de la population utile pour le développement de la RDC. Les commandants du service national a à cette occasion condamné la tentative d'évasion d'une quinzaine de Kuluna avec la complicité de certains tireurs de ficelle à partir de Kinshasa. Ce qui paye Zaki na makanisi na bango moko. Mais ce qui paye Zaki ke makanisi et où tu es pas mutu tel na Kinshasa. Boye ba ke tokotika bino te. Pe bato bazo tinda bino na makambo ango na esprit tokotika bango te. Donc baza ba karotier balingi musalate. Bino bolingi ka facilité. Kozonga na Kinshasa ko botola biloko abato. Une parade des différentes brigades a sanctionné cette visite de travail. Le rythme et la cadence ont fait bon ménage et l'ambiance était au rendez-vous.